Je reconnais maintenant Monsieur le député de Vanier. Merci, Madame la Présidente. C'est avec beaucoup de fierté que je souligne aujourd'hui par cette déclaration la victoire des Diamants de Québec qui ont remporté le 24 septembre dernier la finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Les Diamants ont ajouté à cette belle réussite qui est grande en soi l'exploit d'aligner 12 victoires consécutives sans subir la moindre défaite durant toutes les séries éliminatoires qui les ont menées à remporter la Coupe du président de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Je tiens donc à féliciter tous les joueurs de l'édition 2011 des Diamants, les entraîneurs Jean-Philippe Roy, François Laverdière, Luc Bédard et Christian Chenard et toute l'organisation pour ce premier championnat de l'histoire des Diamants de Québec et ce, à leur 17e année d'existence. Et en terminant, Madame la Présidente, ce championnat me touche personnellement. J'ai porté les couleurs des Diamants en 1995-96. Je ne porte plus l'uniforme, mais les succès des Diamants d'aujourd'hui jettent une belle lumière sur tous les succès des Diamants, sur les joueurs passés, sur les joueurs futurs. Parce qu'après tout, quand vous avez fait partie de cette organisation, Madame la Présidente, vous savez que les Diamants de Québec, c'est plus qu'un club de baseball. Alors, félicitations aux Diamants qui sont ici avec nous aujourd'hui, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Vanier. Je vous souhaite la bienvenue aux Diamants qui sont parmi nous.